Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve pour un petit let's play découverte sur Farming Simulator Nintendo Switch Edition. Je vous ai déjà fait il y a quelques temps le Farming Simulator 2017 sur Xbox One. Mais j'avais trop envie de retenter l'aventure sur Switch parce que j'avais pas été très loin sur One. Donc là, avant de commencer la carrière, je vais vous demander de me laisser plein de petits pouces bleus et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on va du coup se tenter nous le didacticiel, au moins le premier, pour découvrir les bases du jeu. Parce que c'est ma toute première simulation de ferme, donc forcément, je sais pas trop comment m'en sortir. Si je peux avoir au moins des petites bases avant de commencer la carrière, ça serait bien. On est parti. Dans le premier didacticiel, vous allez apprendre à préparer votre champ et à le cultiver au mieux pour obtenir une superbe récolte. Si vous oubliez les instructions et si vous souhaitez quitter le didacticiel, vous pouvez ouvrir le menu didacticiel à tout moment. Commencez par jeter un œil aux environs, puis montez sur le tracteur garé devant le cultivateur. Devant. Placez-le au bord du champ. Cet engin est impressionnant, non? Cela dit, par rapport aux autres véhicules que vous conduirez, ce tracteur est plutôt petit et dépassé. Pas d'inquiétude, il est plus facile à conduire qu'il en a l'air. En route. Moi, c'est ce truc, parce que j'ai déjà commencé le didacticiel tout à l'heure, et ce truc, il m'a bloqué. Alors du coup, je ne sais pas ce que je suis censé en faire. Voici l'accélérateur, le frein et le volant que vous connaissez probablement déjà. Ok. Tout d'abord, reculez. Doucement jusqu'au cultivateur qui se trouve derrière vous et attelez-le à votre tracteur. Une icône apparaîtra sous le symbole du tracteur dans le coin inférieur droit de l'interface lorsque vous soyez suffisamment proche pour l'atteler. Une fois le cultivateur levé, vous pourrez être déplacé, avancer vers la petite masse noire et attelez-la à l'avant du tracteur. Elle permet l'équilibre par rapport à la lourde masse à l'arrière. D'accord, c'est ça que j'avais pas fait correctement. Et là, je m'avance. Ah, je recule. On est tout bon. Pour l'instant, c'est très bien. Maintenant, préparez le champ pour l'ensemencement. Vous pouvez passer de l'un à l'autre des outils attelés au véhicule pour les manipuler chacun à leur tour. La vue schématique du tracteur en bas à droite affiche l'outil en cours d'utilisation. Sélectionnez le cultivateur à l'arrière et baissez-le. Et vous voyez où vous... Ah, c'est bon, j'ai le truc de l'arrière. Donc, il faut que je le baisse. Alors, comment je le baisse? Ah. On y va! Ah, j'ai failli oublier. Vous pouvez allumer la radio pour écouter de la musique pendant votre travail. Profitez de la conduite d'une toute autre manière. Vous entendez de la musique, vous? Voilà, on y va. Allez, on va sur le côté. Oh. Pour moi, c'est vraiment une grande première, hein, parce que j'en ai jamais fait aucun, vraiment, en tout cas. C'est pour ça que je vais à tout prix faire les bases avant de commencer à gérer une ferme, parce que si je sais pas ce que je suis censé faire, c'est pas marrant. Oh, je roule pas droit. Bien joué, vous avez pris le coup de main. Plantons quelques graines. Bon, on avait à peine eu le temps d'écouter la radio. La terre a été travaillée, retravaillée et retournée, elle est prête à être ensemencée. Montez dans le tracteur, attelez-y les outils comme vous l'avez fait auparavant. Alors, montez. Voilà. Pour planter les graines, les machines à ensemencer doivent être activées et baissées. Vous pouvez ensuite parcourir le champ pour semer quelques graines de colza. Alors, c'est celle-là. Il faut que je la baisse et que je l'active. Alors, on va voir hein, si on s'est pas trompé. Ah,
Non, elle a l'air d'être. Il se passe quelque chose là, derrière nous? Écoutez, on verra bien. Est-ce que je plante des graines là? Ouais, bah, il y a l'air d'avoir quand même une différence sur ce que j'ai fait, donc je pense que ça a dû planter. C'était pas très droit en tout cas. Le truc, ouais, ça va être se rappeler quelle machine sert à quoi. Oh. Bon travail, les graines sont plantées, il va falloir patienter pour avant d'obtenir un champ de colza prêt pour la récolte. C'est l'heure de la récolte, vous allez adorer. C'est ce qu'on appelle une grosse machine, une moissonneuse batteuse, rien qu'à vous. Prenez place et attelez la barre de coupe à l'avant comme vous l'avez fait avec l'autre matériel. Une moissonneuse batteuse doit être dépliée pour être active, ainsi la barre de coupe est automatiquement baissée. Ok. Il n'y a pas de baissé. Activé. On y va. Ah, je prends pas ce qu'il y a sur le bord. Moi, bon, c'est pas très grave, hein. C'est pas là-dedans qu'on va jouer après, mais. Oh, il y a notre tracteur là-bas. Lors de la récolte, la trémie de la moissonneuse batteuse se remplit. Ouvrez la buse, placez-vous près de la remorque au bord du champ et déversez-y le contenu. Alors, il y a quoi? Dépliez la buse. Ça va. Vache, il y en a. Hein. Ouais, j'ai quand même peur de pas m'en sortir. Très bien, sortez la moissonneuse batteuse et montez dans le tracteur devant la remorque. L'icône clignotante sur votre carte vous indique où décharger votre remorque. Rendez-vous là-bas pour y stocker son contenu dans le silo quand vous aurez le temps, bien sûr. Oh bah c'est juste en face, ça va, c'est pas trop trop loin. Elle est jolie la ferme. Allez, on grimpe. Oulala, oulala, on ne tombe pas avec le tracteur. Ah, je vais tomber. Un tracteur, pas un 4x4. Hein. Voilà. Du coup, comment on fait maintenant? Décharger. Nickel! Excellent, votre récolte est stockée dans les silos. La capacité de stockage de ces derniers est limitée, mais vous pourrez les agrandir plus tard. Lorsque vous souhaitez vendre votre récolte, récupérez-la dans les silos et livrez-la à l'un des nombreux points de vente de ce monde pour gagner de l'argent. Après la récolte, il faut préparer le champ pour le prochain cycle. Pour une préparation rapide, vous pouvez à nouveau utiliser un cultivateur. Cependant, pensez à labourer votre champ de temps à autre pour vous assurer qu'il demeure fertile.
Bien, tracteur, charrue, masse, allons-y. Du coup, il faut que je change comme ça. Je bêche la charrue et on y va. Oh, je l'ai perdu. Je l'ai pas baissé, je l'ai désattelé. Baisser la charrue avec A, c'est mieux. Ça fait quoi ça? Ok. C'est pas top, hein. Ça fait pas une grosse partie, hein. Après, le DLC, elle est bien parce qu'on découvre tout ce qu'il y a à y faire. Et j'ai bien fait de le faire parce que je suis pas sûre que tout ça j'aurais compris, hein. J'espère juste qu'on aura le temps de se lancer au moins dans la découverte visuelle de la ferme et peut-être notre première plantation ou récolte. Je sais pas comment elle nous est livrée. Ça fait pas une grosse surface, hein, ça. Bon, après, il me semble qu'on peut engager des ouvriers, ce genre de choses, hein. Mais pas tout faire à la main non plus. Bon travail, vous voilà à présent capable de faire fonctionner votre ferme à plein régime. Pour aller encore plus loin, le prochain DLC vous propose d'apprendre à fertiliser vos cultures de manière à augmenter les rendements des récoltes. Écoutez, on a fait le premier, on est bien. Maintenant, on va lancer notre ferme. Alors, je me mets en facile. Bah ouais, c'est ma première simu de ferme et je suis pas sûre de m'en sortir correctement. Alors, on a deux cartes. Goldcrest Valley et Sosnovska. On va aller à la ferme au nom imprononçable, ça m'a l'air plus joli. Je peux me tromper, mais on y va. Comment je vais là sur le côté? Sur les couleurs, ah, comme ça. Ouais! Allez, ma petite Zabou! Et nous y voilà! Pour ceux qui avaient du coup regardé mon test, mon let's play sur Xbox One, vous vous rendrez vite compte que c'est pas du tout, pas vraiment le même jeu, on commence pas de la même manière. Si vous ne connaissez pas encore les règles de base, nous vous recommandons de terminer les deux premiers diacticiels avant d'entrer dans le mode carrière. Moi, j'en ai fait un, ça suffit. Alors là, on a un tracteur avec une remorque. On a tout ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il y a un tracteur là-bas près d'un champ. Là, je peux regarder ma carte. Filature, jardinerie, je regarde à peu près tout ce qu'il y a. Moulin, dépôt, élévateur à grains, scierie. Ouais, non, la carte n'est pas du tout pareille. Et j'ai cru voir. Pourquoi je ne l'ai plus du tout, la petite carte? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, les tipatis. On a des vaches. On va les voir vite fait. Enfin, il y a un logo de vache. Est-ce qu'on en a? J'en sais rien, mais. Ouvrir le menu des animaux. On pourra acheter une vache ici, cool. Bon, pour l'instant, on va pas le faire, hein, bien sûr. Elle est où notre maison? Entrepôt à légumes, filature, jardinerie, scierie, élévateur à grains, chauffage, moulin, dépôt. Ben, je sais pas, on n'a peut-être pas de maison. C'est une vieille vieille ferme abandonnée. Je vais aller voir ce que c'est là-bas le bâtiment.
On a bien une maison quelque part. Ok, je sais pas. Là-bas, il y a l'air d'avoir un silo. On est quand même largué hein, quand on arrive là-dedans. Où est-ce qu'elle est notre maison? On a bien une maison. C'est pour remettre de l'essence. Et sur cette carte-là, il y a un truc qui m'intrigue, c'est toutes les parcelles qu'on voit, je peux les cultiver. Donc là, j'aurais, je dirais, la 19 et la 14, celles qui sont en vert pour l'instant. Bon. On va aller là. Hein. Les points jaunes sur la petite carte, ça doit être les tracteurs et autres. Alors, ça va être quelques balbutiements, hein, les enfants, je vous préviens. Je suis pas trop convaincue de ce que je fais. Hein. Alors. On attelle. On déploie la moissonneuse batteuse. Et on l'active. On est parti. Je sais pas si on a un indicateur quand elle est pleine. Alors on voit l'état en bas à droite. Ah bah si, on voit le pourcentage. Et on voit aussi la consommation d'essence. Mince, du coup je regarde en bas et j'ai mal récolté mon champ. C'est normal qu'on laisse plein de trucs derrière nous en fait. Alors pour ceux qui regardent la vidéo et qui connaissent le jeu, si vous avez des petits conseils à me donner ou me dire si ce que je fais est normal, ça serait super sympa. De toute façon, j'ai pas d'autre, je peux klaxonner. Non, je peux rien faire d'autre. Je peux engager un ouvrier. Mais si j'engage déjà, je suppose qu'il me coûte des sous. Et c'est un petit peu dommage parce que j'aurais pas les bases. On va peut-être se faire au moins ce champ-là. Peut-être pas en entier. Hein. Allez, on a rempli à 14%. Ah, c'est pas farm together, hein, ça prend plus de temps la récolte. Je suppose qu'après, il faudrait que j'aille chercher le tracteur que j'ai vu tout à l'heure avec la remorque. C'est ce pop radio FM. Est-ce qu'on engage un ouvrier?
passe quoi? Bon, c'est fait en fait. Du coup, moi, je peux sortir. Ouais, il a pris le relais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps, nous? Là, je pense qu'il y aurait un champ où il faudrait planter des trucs. Bizarre, ce champ. Je vous avoue que je suis un petit peu paumée quand même. Hein. On vous lâche comme ça et démerde-toi. Ça, c'est quoi? En plus, j'ai pas le droit d'avoir le nom quand je me mets dessus. Béatlé. On va aller labourer le terrain, on va regarder si ça fait quelque chose. Ou est-ce qu'on s'occuperait du même terrain que là, peut-être? On va peut-être regarder ici. Hop, hop, hop. Et petit tracteur, ne te... Hein? Alors, baisser. Est-ce que c'est ça? Oui, oulala, je roule pas droit. Est-ce que j'ai une alerte quand il sera plein? Je sais pas. Pour aller chercher le tracteur avec la benne. Je crois que quand j'ai fait sur Xbox, il y avait une alerte pour me dire votre ouvrier. En gros, bah, l'ouvrier a besoin de moi. Hein. Bon, après, ce sera ma partie de chauffe. Hein. Au pire des cas, si je vois que je fais n'importe quoi, il sera toujours temps de recommencer les nôtres quand j'aurai bien tout saisi. Puis les animaux, on attendra peut-être un chouïa avant d'en acheter, hein, parce que je suppose qu'il faut les nourrir et tout, et... Oula! Tu as raté ton demi-tour. Là, roule droit. Alors lui, il ne dit toujours pas qu'il est plein. Ça va, par contre, le temps dans le jeu est relativement... Il est que 7h35 du matin, alors je crois qu'on a commencé à 6h. Je suppose qu'on peut l'accélérer ou le ralentir, le temps. Pour l'instant, ça me va bien. Avec les roues tournées du bon côté, on fait vachement mieux demi-tour en fait. Hein.
Il fait quoi mon ouvrier là-bas? Hop. Il travaille encore ou il s'est arrêté? Écoutez, on va y retourner, nous, en faisant le terrain, on verra bien ce qu'il fait. Non, je crois qu'il avance. Oh, il avance toujours. Alors, je pense qu'il va pas tarder à être plein, par contre. Hein. Ça met un petit coup de pression, hein, parce que j'ai peur de faire n'importe quoi. Et surtout, je pensais démarrer exactement le même jeu que j'avais déjà testé, et ça n'a pas du tout le même. Ça fait un peu peur. Je pense qu'il y a des endroits où il faudrait que je repasse un petit coup. Hein. Oups, on part toute la traviole. Ah, je pourrais réengager un ouvrier qui s'occuperait de ça. Je vais faire quoi, moi, après? Ah non, je croyais qu'il s'arrêtait, mais non. Toujours pas. Tu avances moins vite que moi, hein, petit gars. Ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être laisser le tracteur là. Je vais aller chercher la remorque. Je vais voir si je peux vider ce que l'autre il est en train de récolter. Même pas trouvé ma maison, hein, faut le dire. Alors, enlever la bâche. Hop, on y va. On va voir si peut-être en se plaçant à côté de lui. Oulala, oulala, oulala. Ah, oh, il a payé les salaires. Ouais, c'est bon. Bah oui, mais tu la sors et tu te casses. Et tu es con? Bon, attends, j'arrive. C'est peut-être moi qui y vais trop tôt, j'en sais rien. Hein. Tu continues tranquillou. La blague. Bah oui, c'est moi l'objet qui bloque ouvrier. Non, bah à mon avis, tant qu'elle est pas pleine. Est-ce que je peux aller dedans, moi? Ah non, je suis pas pleine encore. C'est pour ça.
Bon, on va laisser les tracteurs là. On va reprendre le boulot, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ah, c'était pas celui-là que je voulais. Je suis rentrée dans lequel, là? Je voulais rentrer dans le petit pour... Oui, celui-là, je le laisse. Quoique, je vais peut-être l'enlever de là, parce qu'il va nous casser les pieds. On va le mettre plus ici, hein. Voilà. Peut-être pas super passionnant à regarder, mais moi je peux vous dire que ça me fait flipper. J'ai trop peur de faire des bêtises. Alors je reviendrai sûrement plus tard quand j'aurai avancé pour vous montrer un petit peu plus le rendement d'une ferme. Parce que là c'est bien beau, hein, j'ai payé des salaires, mais c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Ah, tu es bourré, monsieur. Faut pas boire dès le matin. C'est pas bien. Vous, ça, monsieur, c'est moi. C'est une madame. La trémie de l'ouvrier est pleine. Ok, je vais chercher le... Je vais chercher le tracteur là-bas. Donc il y a bien une notif quand c'est plein. Et là, on le voit sur la carte, il clignote. Les gars, tu m'attends ou pas? Bah oui, roule-moi dessus, hein. Bruti. Oh putain. Mais il est con, on est coincé. Voilà. Mais pourquoi il s'arrête pas? S'il est plein et que je suis censé... il est censé se vider dans ma benne, il devrait s'arrêter, non? Voilà. Oh la vache. C'était laborieux. Alors, l'ouvrier A est bloqué par un objet. Oui, c'est moi qui le bloque. J'attends qu'il se vide. Voilà, je peux me casser. Tu peux reprendre ton boulot. Oups. Oh mon dieu. Alors, on va aller mettre ça au silo. Putain, j'ai du mal à rouler avec la... Avec la remorque. On va y aller doucement, hein. Alors, il y a quoi? Décharger. Voilà. On attendra peut-être d'être plein pour pouvoir le ramener dans les magasins. Oh, oh, pour être plein, je suis pleine. Oh mon dieu. Trop de mal. Ah, les remorques, c'est dur. Vous moquez pas. Allez, on va reprendre nous notre travail. Puis je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là. Ah oui, c'est vrai qu'il a eu un petit accident, mon tracteur. Quelqu'un lui a rentré dedans, je sais pas qui c'est. Allez, remets-toi. Voilà, c'est bien. Alors pour l'instant, je fais que perdre de l'argent, ce qui est déjà... inquiétant du tout. Forcément, puisque j'ai payé un ouvrier. Oh là là. J'ai du mal à me remettre droite. Voilà.
Je crois que dans ce genre de jeu, il faut pas être pressé d'avoir du rendement. Hein. Parce qu'à mon avis, il faut jouer des heures avant que ça rapporte quelque chose. Surtout que j'espère que je vais pas me retrouver sans argent. Parce qu'on n'a pas l'air d'être guidé du tout. Hein. Pour vous dire, je sais même pas où je dois aller vendre ce que je viens de récolter après. J'ai même pas fait attention si j'avais la machine. Je dois l'avoir, je pense, mais celle pour semer. Avec la musique, c'est sympa, hein. Ça évite d'entendre que le bruit des tracteurs. Heureusement que je m'utilise plus le petit tracteur que celui avec la remorque. Hein. Bon, mon essence, ça va, elle bouge pas. Pas trop en tout cas. Ah, je fais n'importe quoi. On se fait encore une allée et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je continuerai moi de mon côté à avancer et je vous reviendrai quand j'aurai un petit peu plus de choses à vous montrer. En tout cas, oui, je suis surprise parce que je m'attendais vraiment à un copier-coller de la version que j'avais fait sur Xbox One et c'est pas tout à fait le même jeu. Donc c'est une redécouverte complète, même si j'ai pas beaucoup joué à l'autre. Du coup, c'est une redécouverte complète et c'est comme si j'avais rien comme support. Parce que l'autre, je me rappelais encore de 2-3 trucs, mais bah, c'est pas la même chose. Je pensais parce que c'est la même jaquette, mais du coup ils ont dû faire une édition vraiment spécifique pour la Switch. Et du coup c'est pas tout à fait pareil, parce qu'il y avait vraiment un didacticiel dans votre propre carrière en fait dans l'autre, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, on va laisser notre petit bonhomme travailler et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors c'était mon petit découverte de Farming Simulator Nintendo Switch Edition. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo, à me laisser tout plein de pouces bleus. Et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien.